The old cathedrals often have sublime artworks hidden away in the darkest corners for only God to see. The same goes for murder. Très bien. Il ne faut pas essayer de cacher les fils. Ça fait un peu de dogme 95. Toutes mes anciennes femmes adoraient les tueurs en série. Il y a beaucoup de femmes, pour une raison ou une autre, adorent les tueurs en série. Donc je me suis dit, je vais faire un film sur le tueur en série. Normalement, mes films deviennent un peu différents. Et j'espère réaliser les films qui manquent. C'est des maillons manquants. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Voilà un film manquant. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Il y a certaines choses qui ne se produisent jamais dans la vraie vie, mais qui se produisent dans tes films. Tout se produit dans la vraie vie. Mais non, et les essuie-glaces. Sur le plateau, ce que j'ai adoré était d'avoir le sentiment, en tant qu'acteur, d'avoir le droit à l'échec, le droit d'essayer de nouvelles choses. Il y avait certaines choses pour lesquelles j'avais des réticences vis-à-vis du scénario, mais je lui faisais confiance. Il était sympa de pouvoir dire « T'inquiète pas, on va essayer quelque chose de différent. » La chose à ne pas faire peut devenir la chose à faire. En fait, la pire chose pour un État est lorsque l'on ne parle plus de certains sujets. C'est pour ça que le bon goût, le politiquement correct ne doit pas arrêter les films. Mes films sont basés sur les choses qui m'intéressent. Et je m'intéressais pas spécifiquement aux tueurs en série, mais j'ai fait des recherches. Et ensuite, dans tous les personnages, il y a une partie de moi. Je ne suis pas psychopathe, même si les autres le disent. Non, il n'est pas psychopathe. Un travail artistique peut être dangereux, j'en suis sûr. C'est le film qui déstabilise. J'étais très touchée, je dois l'avouer, par l'accueil. C'est bien. On avait juste eu un petit malentendu pendant 7 ans. Aujourd'hui, je suis détendue. Mais un truc peut changer et subitement, on se retrouve en prison à Marseille.